tous, c'est Staming, si vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous allez le voir, je suis avec un super ensemble, Massé 6495 qui fait 195 chevaux. On a une masse ici à l'avant, voilà. Donc j'ai un petit peu en contre-jour, je suis un peu désolé. Et puis là on a carrément l'arrière rotative avec la grosse pièce derrière accrochée qui fait un très bon travail. Et puis on peut voir quand même que la semaine dernière j'avais fait, hier j'avais fait tout simplement du vibro. Et là ce que je suis en train de passer, c'est que je suis en train de passer l'arrière rotative. Vous avez vu la finesse de la terre, elle est quand même super cool. Donc là c'était tout j'ai passé et là c'est chaud quoi. Donc là le champ c'est pas un gros champ. Après on ira là-bas au bout, donc c'est juste là. Donc on voit le petit bâtiment là-bas. C'est juste là-bas le deuxième champ. Donc vous allez peut-être me suivre peut-être la nuit aussi. Parce que je vais faire aussi tout simplement un petit peu de nuit. Donc voilà quoi. Donc j'espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à partager comme d'hab. Voilà. Et merci encore pour les 1000 abonnés. Parce que grâce à ça, je vais pouvoir faire des lives avec la GoPro. Donc pareil, là ce week-end là, je vais tout simplement faire un live dans les champs. Donc voilà quoi. Donc ce vlog là, vous allez le voir dans une semaine après. Sauf que là, la semaine où je suis là, donc là on est vendredi. La semaine, demain là, je vais faire un live GoPro. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même super cool. Bon allez, venez avec moi dans le tracteur et puis allez, on est parti, let's go! Vite 3 km/h, donc c'est quand même assez cool. Après là je suis dans un champ avec la terre assez légère, donc ça c'est quand même cool. Après je pense que dans l'autre champ on roulera un petit peu moins vite, on roulera dans les 7 km/h. Donc voilà, donc là on peut voir quand même c'est un peu un petit peu de craie, un petit peu d'argile. Bon allez, je vous laisse avec les plans que j'ai pu faire avec la GoPro. Allez, c'est parti, bonne vidéo. On se retrouve deux jours après, je viens de faire un plan. La R ça a touché la GoPro. Ça va, heureusement j'ai mis la protection GoPro plus la trompette partout. Heureusement ça n'a pas fait ça a pas cassé, heureusement j'ai eu vraiment de la chance. Donc voilà quoi. Donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement continuer à faire de la rotative. Il faut voir un peu le champ. Un champ un petit peu plus de 12 hectares environ. Donc voilà, il est quand même assez grand. Hein. Donc 12 hectares on va dire, et tout simplement je vais passer en deux fois. Donc en gros premier passage comme là vous voyez, et après on va passer le deuxième passage. Donc le deuxième passage je vais voir, allez vous faire voir, il est juste ici. Donc le deuxième passage il est là quoi. Il y a quand même une différence, alors, je sais pas ce qu'on voit à la caméra, mais quand même une sacrée différence. C'est vrai que ça fait quand même de la finesse quand même assez bien. Donc voilà quoi. Bon moi je continue. Donc sûrement le titre ça va être j'ai passé la GoPro dans la rotative, parce que c'est carrément ça. Et en plus j'ai même vu le rush. Oh j'ai, oh là là. Je sais pas si ça devait passer, mais il faut pas passer. Bon c'est pas grave, pire. Bon là ce que je vais vous faire voir, c'est qu'en gros là je vais tout simplement essayer de faire des plans, accrocher la GoPro je sais pas où. Faire des plans un peu stylés quoi. Donc voilà, bon allez, on est parti sur les plans. Allez let's go. Thank you.
vraiment super bien. Je vais aussi vous dire, c'est que il est arrivé un truc. Il y a Baro vendredi soir. Mais il m'est arrivé un truc, c'est qu'en gros, je vous expliquer, mais je vous mettrai la vidéo. En gros, il y a les roulements du rouleau. Par ici. En gros, il y avait plusieurs roulements. Ils sont cassés, ils ont pété. Pourquoi, on sait rien. Et donc en gros, bah, je vous mets la vidéo tout de suite maintenant. Bon bah là, il y a un petit problème technique. Super. Je vais savoir un peu ça. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Git. Voilà. Le bazar, il est... Le roulement, il est mort. Trop bien. Je lance un live. Net. Live obligé au bout de 5 minutes, même pas. Je vous ai coupé. Roulement mort. Donc en gros, voilà, vous avez vu la vidéo, comment ça s'est passé. Ça avait en plus la nuit. Je me suis dit quand même, c'est bizarre quand même, le rouleau il marche plus tout ça. Puis elle me suis dit, les deux rouleaux étaient touchés en deux. J'ai dit, bon voilà, ça va pas le faire. Et puis là, j'en regarde carrément. Il y avait tout simplement, les roulements ils étaient pédés, voilà. Tout simplement. Donc voilà. Aussi pareil, hier, je voulais faire un vlog, continuer le vlog de ce soir-là. Comme d'hab, j'ai oublié. En gros, je me suis dit, bon, j'ai tout le matos. Et vu que la veille, j'avais tout simplement transféré tous les fichiers d'un GoPro sur mon PC, bah, j'avais oublié la carte SD. J'ai mince, oh purée. Donc en gros, bah, c'était un petit peu embêtant. Et puis voilà quoi. Donc voilà les histoires. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vous ai fait plusieurs plans, vous avez dû le voir juste avant. J'espère que ces plans vous ont quand même super plu. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon TikTok. Je fais des lives. Voilà, pendant 4 jours, j'ai fait des lives. Donc n'hésitez pas. Et puis sur quoi, désolé, je vais faire un live sur YouTube avec la GoPro. Sauf que le problème, c'est que la connexion de téléphone a pas voulu se connecter sur la GoPro. Donc c'est bizarre, mais bon. On verra ça plus tard. Donc en tout cas, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, je vous laisse avec tous ces plans. Mon père va arriver avec le sommeur d'ici 30 minutes, même pas, pour continuer à semer. Il a déjà semé la moitié du champ. Donc là, bah, il va continuer à faire le champ. Voilà, allez, let's go. Bon bah c'est bon, j'ai fini de faire de la rotative. Donc le champ il est fini, là mon père il est en train de tout simplement semer. Je sais pas ce qu'on voit avec le contre-jour, c'est un peu compliqué mais bon. Donc là, c'est super bien passé, c'était nickel, ça fait de très bon boulot. Mon père il est à plus de la moitié du champ semé. Donc normalement peut-être qu'on va finir ce soir je pense, on verra bien. Donc là ceux qui veulent savoir, aujourd'hui on est dimanche. Et voilà, ça passe super bien. On a fait 4 jours, bah moi j'ai fait 4 jours de préparation. Et mon père c'est pareil, 4 jours de semi, c'est cool quoi. Donc voilà, je vais vous faire voir un peu le drone. Je suis en train de mettre le drone pour faire les plans du semi. Regardez, hop. Le drone, voilà, il est là. Donc voilà. Donc bah rendez-vous sur TikTok. Je vais faire, je vais poster les plans que je vais faire au drone du semi. Donc faire des plans assez stylés. Je vais mettre la qualité au maximum. Comme ça fera un truc bien. Donc voilà, bon allez. J'espère que ce petit vlog vous a quand même super plu. Je vous laisse sur les images du semi. Et puis bah allez, c'était Starming, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et suivez-moi sur mes réseaux. Allez, ciao tout le monde!